Alléluia, alléluia. Bien-aimé, c'est-à-dire, c'était chaud cette nuit. C'est-à-dire, j'étais dans un combat spirituel rude cette nuit. Où, vous savez que hier, nous avons prié en direct sur Facebook, alléluia, contre les esprits de réclamation. Bien-aimé, l'affaire, si ce n'est pas petite affaire, l'esprit de réclamation, hey, c'est la première fois que je vois le jassi. C'est-à-dire, tous les esprits dont Dieu vous a délivré là, alléluia, ces esprits sont venus se venger sur moi dans la nuit. Je dors aux environs de 2 heures. Je vois comment les esprits dans l'esprit, dans le sommeil, je vois comment les esprits sont pleins autour de moi. Ils sont pleins dans la chambre. Hé, hey, mon Dieu. C'est-à-dire, ils sont venus, ils disent, mais prophète, on va finir avec toi aujourd'hui. C'était grave. Je me suis levé dans le songe. J'ai commencé prière sur prière. Le combat était rude, prière sur prière, prière sur prière. Pendant que je priais, c'est comme si les esprits là augmentaient encore. C'est-à-dire, les gars étaient armés jusqu'aux dents. Quand je dis au nom de Jésus, c'est-à-dire pendant qu'au nom de Jésus frappe un esprit, je vois encore deux, donc ça multiplie encore deux, on s'augmente encore. Ils viennent encore ici. Le combat était rude, bien-aimé. Donc, tous les esprits qui étaient sur vous là, ils sont venus m'attaquer cette nuit. Ils sont venus me demander les codes. Que pourquoi j'ai prié pour vous? Pourquoi j'ai prié pour vous? Mais je bénis Dieu parce que le combat était rude, c'est vrai. Le combat c'était spirituel. Mais ils n'ont pas pu gagner. Alléluia. J'ai dit quoi? Ils n'ont pas pu gagner. Le combat était tellement rude. Prière sur prière. Tu vois les esprits, ils sont. Oh mon Dieu. Mais je dis toujours. Et je parle sans sorcière, ça c'est mon témoignage. Ça me rappelle, j'ai prié un jour pour une femme au Gabon. Ce n'est pas la première fois. Alléluia. Tout le temps, quand je fais des prières intenses contre les sorciers, ils se révoltent toujours contre moi. Alléluia. Ils se lèvent pendant que vous êtes délivrés et ils viennent me demander les codes. Ils disent, ok, c'est toi qui as prié pour elle. Non? Un jour, un démon comme ça m'a apparu. Et le démon, si c'est une femme, elle me dit, tu as prié pour elle, non? Comme tu as prié pour elle, tu vas voir, prophète, je vais te tuer. Elle me dit ça en direct, que prophète, comme tu as prié pour elle, je vais te tuer. Hier là, ce n'était pas seulement un démon. Ils étaient nombreux comme ça là. Alléluia. J'ai dit, dans le sommeil, dans mon sommeil, ils étaient tellement nombreux que je disais, donc j'envoyais le feu partout. Je disais, au nom de Jésus ici, au nom de Jésus là-bas. Le combat était rude. J'ai dit, au nom de Jésus ici, au nom... Et j'ai dit au nom de Jésus, jusqu'à Dieu les a tous exterminés dans le sommeil, à cause du nom de Jésus. Bien-aimé, il y a une puissance qui se cache dans le nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus, Dieu les a tous détruits dans mon sommeil. Et je me suis levé. Quand je me lève, je regarde ma montre, je vois il est 2 heures. Alléluia. Donc le Seigneur m'a délivré de ce combat. Et maintenant, je suis venu à l'autel de prière, j'ai commencé à prier, 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 prier. J'ai pris l'huile d'onction. J'ai mis sur ma main, c'était chaud. Et Dani, le prophète voyait flou, le combat était tellement rude que moi-même je voyais flou. J'ai pris. Après, je prends l'huile d'onction. Moi-même, je me suis imposé les mains. J'ai dit, Seigneur, accorde-moi la grâce de bien dormir. Je t'en supplie. Le combat était trop dur. Seigneur. Bien aimé, le combat vient sinon. C'était trop grave. Je t'ai dit, les esprits de réclamation là, ils ont été touchés vrai. Alléluia. Ils ont vrai été touchés hier là. C'était grave. Et ils sont revenus tous en masse pour attaquer le prophète. Alléluia. La Bible dit quoi? Je vais vous lire un verset. Vite fait. Alléluia. Écoutez-moi, la Bible dit quoi? Je vais lire un verset vite fait. Il dit, attendez. Oh mon Dieu. L'éco savara caché teriboivala. Oh papa Dieu. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc ça peut arriver, le malheur parfois atteint un juste. Mais la Bible dit quoi? L'Éternel l'en délivre toujours. Donc il n'y a pas un sorcier qui est venu. Et la plupart, c'est toujours les démons et les gens. C'est-à-dire, ce ne sont même pas les mauvais esprits qui me poursuivaient. C'est-à-dire, c'est les gens. C'est-à-dire, quelqu'un m'a appelé, j'ai prié pour cette personne. Ou bien comment on fait les prières en direct. En retour maintenant, comme ils sont délivrés, les démons là ne sont pas contents de leur libération. Ils reviennent maintenant attaquer la source. La source qui est qui? Celui qui a déclenché la guerre. Et c'est moi, le prophète, qui avait déclenché la guerre. Alléluia.
on a déclenché la guerre contre l'esprit de réclamation. Les gars sont venus en masse. Ils ont dit hier là, c'était mon décret de mort que ces gens-là avaient signé. Donc si Dieu n'était pas avec moi, c'était fini. Alléluia. Mais je bénis Dieu qui m'a accompagné dans ce combat. Il a dit à 2 heures le prophète, j'ai prié. Moi-même, je me suis imposé les mains. J'ai pris l'huile. Je me suis imposé les mains. Seigneur, donne-moi de dormir bien. Je meurs comme ça à cause de vous. Pendant que Dieu vous délivre, ces esprits ne sont pas contents. Ils reviennent m'attaquer que c'est moi qui a déclenché la guerre. Mais je dis, il n'y a pas un démon qui est venu m'attaquer, un sorcier qui est venu m'attaquer, s'est en sorti. Dieu est vrai, Dieu est réel. C'est-à-dire, dans le sommeil, j'invoquais le nom de Jésus sur ces sorciers-là. Et tous étaient dans la confusion. C'est-à-dire, j'ai dit le feu ici, le feu là-bas. Tu vois comment l'atmosphère, on était dans un combat spirituel terrible, bien-aimé. Un combat spirituel terrible. Alléluia. Donc ça, c'était mon témoignage. Ça, c'est un témoignage qui m'a beaucoup fait rire. Il dit que là, il faut que je dois faire une vidéo. Vous-même, ça c'est mon témoignage. Voilà pourquoi le diable n'aime pas les prophètes. Pourquoi? Les sorciers n'aiment pas les prophètes. Pourquoi? Parce que Dieu a remis les clés de la voyance aux prophètes. Donc, ce qui fait que quand il n'y a qu'un prophète, par l'Esprit de Dieu, qui peut voir les œuvres mauvaises de Satan. Et les sorciers n'aiment pas ça. Alléluia. Voilà pourquoi quand on prie et il vous délivre, Dieu vous délivre, ils reviennent maintenant sur nous les prophètes. Ils disent que, ok, ils commencent à faire comme Jézabel poursuivait Élie. Ok, nous, on va s'acharner sur toi maintenant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'était mon témoignage. C'était rude. C'est-à-dire la nuit, si le prophète était combat sur combat. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Come on, man, chair. Alléluia, alléluia. Shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Ici votre humble serviteur, le prophète de la nouvelle génération, Lionel Duciel Wandi. Voilà, je viens vous parler ici de notre nouveau programme. Alléluia, que nous aurions par la grâce de Dieu tous les lundis à partir de 21h. Tous les mercredis à partir de 21h, tous les jeudis à partir de 21h, et tous les vendredis à partir de 22h, et tous les samedis à partir de 21h. Bien-aimé, quel qu'en soit le problème dans lequel tu te trouves, je te dis par l'Esprit de Dieu, connecte-toi à ce programme tous les jours pour prier avec moi en direct. Tu souffres des oppressions, tu as les oppressions nocturnes, tu ne dors pas à cause de la sorcellerie. Bien-aimé, je t'invite à te connecter à ce programme par la grâce de Dieu et nous allons détruire toutes les spells sataniques qui parlent contre ta vie. Nous allons détruire tout ce qui est fondé dans ta famille, comme sorcellerie ou quoi que ce soit. Connecte-toi simplement à ce programme et tu verras la puissance et la main de Dieu se manifester dans ta vie. Et pendant que tu le fais, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je rappelle les jours de notre programme. Tous les lundis à partir de 21h. Tous les mercredis à partir de 21h. Tous les jeudis à partir de 21h. Tous les vendredis à partir de 22h. Et tous les samedis à partir de 21h. Connecte-toi. Quelle qu'en soit la maladie qui t'opprime, je te dis par l'Esprit de Dieu, toutes ces choses vont s'arrêter. Parce que Dieu m'a mandaté pour ça. Dieu m'a mandaté pour ça. Donc, les sorciers sont dans les problèmes. Connecte-toi et pendant que tu le fais, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia.